Bonjour, en ce 23 août 2022, je flâne avenue Rouge de Lille en ville haute du Havre et c'est pour vous dire qu'il y a plein de choses intéressantes en ville basse mais aussi en ville haute et sur la côte bien sûr, tout le monde est servi. Donc on voit un ancien transformateur EDF, d'électricité et c'est difficile à dater, je dirais peut-être années 40, années 50, je ne sais pas. Avant-guerre ça m'étonnerait. Mais c'est assez ancien. Alors, il en reste peu sur la région Havrais. J'en ai vu un autre dans la zone industrielle, non loin de Safran. Et sinon, j'en ai vu aussi en banlieue parisienne. Mais ça devient rare d'en trouver. Alors, je remarque à l'instant, il y a un vieux poteau électrique aussi qui est devant, qui est resté. Avec la forme. Alors, je ne sais pas s'il est daté. Mais enfin, c'est une vieille forme de poteau. Alors, là, il y a des marques, mais alors, elles ont disparu. Hein. Ça serait difficile à dire. ET, on voit des marques, ET, là il y a un 2 ou un 8, je ne sais pas. Comme quoi, même sur le béton, ça disparaît, sur le ciment, ça disparaît aussi. Regardez comme c'est abîmé, mais il doit être bien, bien ancien celui-là. Il doit être un des plus vieux du Havre, hein, à mon avis, vu la forme. Donc ce vieux transformateur, alors on voit derrière, il y a le transformateur plus moderne. La porte est aussi d'époque. Alors, la porte est assez ancienne, hein, donc ça peut être vraiment années 40, 50, voire 30, hein, je ne sais pas. Ça me paraît difficile, mais enfin ça me paraît un peu vieux, années 30, vraiment. Et une porte totalement rouillée. L'ensemble n'a pas fait l'objet de la moindre transformation depuis sa création. Alors c'est à craindre que ça soit démoli un jour s'il ne sert plus à rien. On va me dire, oui, c'est pas grave. Mais je prends note de ce petit élément du patrimoine électrique, qui n'est pas souvent étudié. Alors, je vois en hauteur, oui, ils ont rajouté des carreaux en verre plus modernes. Des carreaux en verre plus modernes ont été rajoutés. Et sinon, le reste est resté dans l'état originel. Donc un petit élément qui n'est pas très connu puisqu'on ne parle, on pense pas souvent à lui en passant devant. Ah, je vois des numéros là marqués. On devait y avoir des numéros marqués là. Allez, un petit élément du patrimoine à vrai. À bientôt.